la GeekVap Obelisk 65. La nouvelle Obelisk 65 est vraiment très sympathique au niveau de la prise en main. On va avoir vraiment quelque chose de très ergonomique. Au niveau de son pod, il est entier et aimanté. On retrouve des mèches B-Series de chez GeekVap. Et niveau remplissage, ça se passe sur le dessus. La Obelisk est agrémentée d'un écran LCD et de 3 boutons pressoirs, marche arrêt, plus et moins. On retrouve son airflow réglable directement sur le pod. Elle est vraiment facile d'utilisation, très simple et en plus intuitive. Et on n'est pas trop perdu si on connaît GeekVap car elle garde les mêmes codes des autres box et GeekVap. Niveau caractéristiques techniques, on retrouve un pod de 4,4 ml de contenance, une batterie de 2500 mAh, ce qui permet tranquillement de passer la journée. Et bien sûr, comme son nom l'indique, 65 watts de puissance. Le petit plus, un petit chargeur USB-C qui recharge la batterie en moins de 2 heures. Le tout petit inconvénient que je reprocherai à cette box, c'est qu'ils ont créé une mèche en B-série mais qui monte jusqu'à 58 watts et la box monte jusqu'à 65. Donc on pourra pas utiliser l'intégralité de la puissance de la box sur la mèche. Sinon, à part ça, elle est nickel. Aujourd'hui, on vous présente